Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode consacré au marché de gros. Aujourd'hui, nous sommes chez Olivier, il est commerçant de proximité à Saint-Acisque et nous allons voir comment il s'approvisionne au marché de gros. Donc, tu te rends sur le marché de gros plusieurs fois par semaine, c'est ça? Oui, alors je me rends trois fois par semaine sur le marché de gros. Je vais d'abord chez les grossistes qui me permettent de m'approvisionner en produits non locaux ou exotiques, dans des produits qu'on ne trouve pas forcément sur le département ou le marché. J'entends par là les ananas, les mangues, les bananes et les avocats par exemple. C'est une zone dans laquelle on peut s'approvisionner en tout type de produits extérieurs du département. Sur l'espace du carreau, je peux trouver des produits 100% du département. Ça me permet d'être en contact avec plus de 160 producteurs qui présentent un large choix de produits tout au long de l'année et au fil des saisons. Ça me donne accès à une fraîcheur, une localité unique en matière de fruits et légumes. En plus, ça me permet de me maintenir en contact avec les producteurs, un contact qui est indispensable dans mon métier. Donc en 2 heures, tu as réalisé tous ces achats sur ces 2 zones et tu reviens à chalander ton magasin. Voilà. Cela me permet de garantir à mes clients du local, de la fraîcheur et les produits qu'ils demandent. Mais c'est grâce au marché de gros que je peux m'approvisionner depuis 10 ans en produits du département et que je peux garantir à mes clients la fraîcheur, la localité qu'ils demandent. Bien, merci Olivier pour ton témoignage et je pense que les habitants du quartier, mais aussi tous ceux qui travaillent à proximité du centre d'Elmonde ont une super solution pour manger local et de qualité. Oui, c'est un gros avantage d'avoir un marché de production à 10 minutes du magasin et cela permet d'avoir de la fraîcheur dans les produits. Merci Olivier, du coup, pour ce témoignage. Je pense que les gens de Saint-Acisque ont vraiment, et tous ceux qui travaillent autour du centre d'Elmonde ont vraiment un super endroit pour acheter local. Est-ce que pour les fêtes, il y a quelque chose de particulier, des produits dont tu veux parler, que tu veux mettre en avant? Pour les fêtes, les produits particuliers, c'est les produits exotiques et tous les agrumes, orange, clémentine. En ce moment, sur le marché, c'est surtout les salades, scaroles frisées, pommes de terre, une saison d'artichaut très courte. Et après les légumes de saison, carottes, céleri, navets, tout ce qui est en local ici. Je crois qu'il y a un super choix et on attend tout le monde pour les fêtes. Pour les fêtes de Noël. Pour les fêtes de Noël et pour manger local. Merci à vous, à bientôt.